Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour nos amis Gémeaux et Ascendant Gémeaux pour la semaine du 13 décembre 2021. Alors comme vous pouvez le voir, on a changé de jeu, on est passé sur le jeu de Solvirs, hein, qui est aussi donc un jeu de tarot de Marseille. Alors vous le verrez en haut, arcane majeur qui vous donne la teinte pour la semaine, avec donc à droite des explications avec les arcanes mineurs. Et en bas, donc un atout ou au contraire un frein pour la semaine. Alors voilà ce qu'il en est déjà donc de notre arcane majeur. On est sur le fou et on est en arcane mineur sur le 2 de coupe. Alors cette association, elle est assez instable. Elle est assez instable pour vous, amis Gémeaux, parce que du coup, elle indique qu'il y a des petites brouilles et des querelles qui vont en fait menacer l'équilibre de vos échanges. Donc voilà, donc dans le domaine affectif, brouilles et querelles, faites attention à vous, faites attention tout simplement à ne pas attiser une situation qui était peut-être déjà un petit peu compliquée. Donc voilà, donc dans le domaine affectif, faites attention à ce que vous dites. Maintenant, dans le domaine professionnel, alors dans le domaine professionnel, là en fait ce qui est intéressant c'est que cette association de ces deux lames indique que vous ne manquez pas d'ingéniosité et de créativité. Donc là tout ce qui va avoir attrait au métier donc plutôt lié à la créativité au sens très large hein, parce que tout le monde peut être créatif dans son travail, mais en tout cas ingéniosité et créativité dans votre domaine professionnel. Donc ça, c'est très important. Donc ça peut être pour les ingénieurs, ça peut être pour les professions artistiques, ça peut être tout simplement, mais encore une fois, tout le monde peut mettre un peu de créativité. Vous pouvez créer des choses au sein de votre activité. Mais en tout cas, ce qui plane le plus, c'est toujours des doutes. Vous aurez pas mal de doutes. Vous allez vous poser beaucoup de questions cette semaine dans le domaine professionnel. Vos activités sont un peu incertaines. Voilà. Maintenant, donc, l'association des deux aussi pour ce qui est donc du budget, du domaine financier. Alors là, vous avez tendance à dépenser pour des coups de cœur. Alors, je sais que c'est la période de Noël, qu'évidemment, il y a des cadeaux à faire, mais faites attention quand même, fixez-vous des limites, parce que donc, vous risqueriez de faire des dépenses incontrôlées. Donc, faites attention à vous aussi au niveau financier avec ces deux lames. Voilà, donc en fait, le 2 de coupe, en fait, il y a des influences positives et négatives, mais c'est vrai que le 2 de coupe, c'est plutôt des influences négatives, hein, globales. Donc, ce n'est pas une lame forcément très facile. Et comme le fou est déjà un petit peu incertain, bon, les deux font que c'est une situation un peu bizarre cette semaine. Vous vous sentirez un peu troublé. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne donc l'atout, alors l'atout pour la semaine, c'est quand même un très bon atout, là pour le coup, on est sur l'impératrice. Donc, par rapport aux deux lames ci-dessus, j'ai envie de dire que de toute façon, vos troubles, vos brouilles et vos querelles seront réglés à coup de communication. Donc certainement, en fait, que grâce à l'impératrice, cette semaine, vous réussirez quelque part à avoir une situation un peu plus stable. En tout cas, vous allez réussir à dissiper des troubles en parlant, tout simplement. Donc, je pense que cette semaine, le maître mot, si vous sentez que quelque chose vous échappe, n'hésitez pas à en parler pour régler justement tous ces conflits. Voilà, bah, écoutez, donc une semaine en demi-teinte, mais bon, ne vous inquiétez pas, c'est que pour la semaine. Pour autant, donc, accrochez-vous. Le 2 de coupe, il y a quand même aussi une connotation positive, hein. Il y a quand même aussi donc, le renforcement des liens. Aussi faire bloc à deux. Donc, pour un couple, c'est important. Voilà. Donc, écoutez, ne vous inquiétez pas. Tout se passera bien grâce à l'impératrice. Accrochez-vous de toute façon. Et puis, n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, à me contacter sur étoiledesalomon@gmail.com. Je me ferai un plaisir, évidemment, de vous répondre. Et je vous souhaite donc une bonne semaine et à très bientôt!